Vous êtes venu rencontrer aujourd'hui les détenus politiques. Dites-nous combien ils sont finalement, combien ont été libérés et dans quel état ils sont. Non, il y a 14, mais nous avons rencontré 10. Il y a deux au cabanon. Il y a deux que nous n'avons pas pu rencontrer parce que nous n'avons pas eu l'autorisation de communiquer. Bon, ils sont dans un état un peu difficile, vous devez comprendre, parce que certains sont là depuis octobre. Il y a d'autres qui sont là, la majorité est là depuis le 14 avril, mais c'est la situation qu'on a. Il faut reconnaître que pour le moment, ils ont le moral assez bon. Ils nous encouragent à continuer la lutte. Tous nous sommes très éprouvés parce que nous aurions souhaité les rencontrer en dehors de la prison plutôt qu'ici. C'est ça la situation. Maintenant, qu'est-ce qui empêche leur libération? Parce que le gouvernement tient toujours à ce que la procédure judiciaire se poursuive, alors que les facilitateurs insistaient sur le fait qu'il faut traiter ça de manière sur le plan politique. Puisque eux-mêmes, ils ont dans leur camp des gens qui ne sont pas, qui ont commis des crimes, mais qui ne sont pas arrêtés, pour lesquels on ne suit pas les procédures judiciaires. Voilà, le chef de l'État, par grâce présidentielle, a libéré 7 hier. On parle de libération provisoire également pour 12 à l'intérieur du pays. Est-ce que comment vous avez accueilli cette information? Non, nous aurions souhaité que tout soit libéré. C'est ça l'engagement qu'ils ont pris au niveau du dialogue. Mais malheureusement, ils ont libéré partiellement et puis avec des conditions. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Professeur, vous allez rencontrer encore une délégation de la CEDEAO demain. Dans quel état êtes-vous? Pour le moment, nous avons toujours nos revendications, nous avons nos positions que nous allons leur exprimer, surtout qu'avec les mesures d'apaisement qui ne sont pas du tout remplies. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours des Togolais qui vivent à l'extérieur, qui sont des réfugiés. Nous aurions souhaité que ce soit réglé avant qu'on les rencontre. Voilà, la série de manifestations à l'intérieur du pays, ça tient? Pour le moment, ça tient. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Merci.